Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment réaliser le plan d'ensemble de la boîte de raccordement. Donc, dans ce plan, nous voyons trois vues, une vue de face, une vue de gauche, une vue de dessus, une vue en perspective. Donc, nous allons commencer par placer toutes ces vues. Ensuite, nous allons créer la nomenclature et nous allons ajouter les repères des pièces. Et on va compléter par une cotation succincte des codes de positionnement et d'encombrement. On terminera par des tolérances géométriques de parallélisme et quelques codes de soudure. On va commencer donc, on va lancer SolidWorks. On va se diriger vers Nouveau. Cette fois-ci, on ne va pas faire de pièces ni d'assemblage, mais on va réaliser un plan. Mise en plan, donc on va prendre un format A3 prédéfini. Donc on retrouve le nom du lycée, le logo, le nom de l'ensemble, mise en plan. On va pouvoir renommer cette mise en plan, donc on peut faire disquette. Donc on va l'enregistrer dans le dossier boîte de raccordement, on va l'appeler boîte de raccordement. Voilà, donc ça va changer le nom du fichier dans la partie basse. C'est le plan d'ensemble. Alors, comment on fait pour ajouter des vues? Alors, c'est très simple. On va se diriger vers cette icône. On va choisir parcourir. On prend l'ensemble. Hein, et on valide. Ouvrir. Alors, on prend la vue de face. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner comme vue. Alors, on se rend compte que par rapport à notre système, c'est la vue de dessous. Alors, c'est pas très grave. On va faire une vue décalée. On clique. Donc, on obtient cette vue décalée. On va faire échappement en haut à gauche. On va supprimer cette vue en la sélectionnant. On fait sup. Je supprime la vue. Donc, il me reste la vue qui va correspondre à notre vue de gauche. Par rapport à cette vue-là, je la sélectionne. Et on va faire ce qu'on appelle une vue projetée. Donc on va revenir à une vue de face. Voilà. Je fais à nouveau échappement. Et je vais sélectionner cette vue. Et à nouveau faire une vue projetée. Que l'on va placer à ce niveau-là. Et on va donc obtenir notre vue de dessus. Voilà. Donc là je viens de mettre en place les trois vues. Alors, si on observe ce qu'on attend ici, on voit que l'échelle du plan, c'est une échelle 1,5. Donc là, le plan, l'échelle n'est pas la même que sur le document qui est ici. Donc on va régler l'échelle de la feuille. On va donc faire un clic droit, propriétés. Et là, normalement, ça c'est 1,5, 1/5 l'échelle. Donc là, on va se mettre en échelle 1,5. Ok. D'ailleurs, il ne s'était pas mis à jour ici. Échelle 1,5. Et on va aller sur chaque vue, ici, propriété. Et on va changer l'échelle. Alors, hop, on va plutôt procéder comme ça. On va double-cliquer sur la vue. Et là, on va choisir, utiliser l'échelle du... de la feuille, voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai mis? Utiliser l'échelle, c'est pas ça que je voulais faire. On va mettre échelle 1,5. Normalement, on doit pouvoir. Ah ouais, c'est ça, voilà. Utiliser l'échelle de la feuille, excusez-moi, c'est ça que ça se passe. Donc l'échelle de la feuille, c'est bien 1,5. Donc là, toutes mes vues se sont mises à jour. Voilà, donc si je positionne mes vues maintenant. Je peux les faire décaler. Voilà. Donc là, je suis à peu près bien placé. Je vais décaler un tout petit peu vers le haut. Voilà. Donc mes vues sont bien placées. Je vais ajouter la perspective. Alors comment je vais faire? Je vais faire un clic droit sur cette vue. Je vais ouvrir. Et je vais positionner la perspective telle que je la souhaite et telle qu'elle apparaît sur mon plan ici. Voilà. Donc là, je me suis positionné à peu près comme sur mon plan, voilà. Je vais appuyer sur la barre d'espace du clavier
Et là, je vais créer une nouvelle vue. Je vais l'appeler perspective. Je l'enregistre. Je pense à enregistrer mon modèle. Je vais faire fenêtre et je reviens sur ma boîte de raccordement. Ici, je vais pouvoir ajouter une perspective. Donc, je vais aller sur ma vue. Dans la liste, je vais choisir donc ma boîte de raccordement. Je vais sur la petite flèche. Et là, je vais ajouter, vous voyez, ma perspective, elle est déjà cochée. Je n'ai plus qu'à la positionner. Donc là, on valide oui. On va laisser l'échelle telle qu'elle apparaît là. On doit être à une échelle 1 cinquième. Alors, on est comment là? On est peut-être un tout petit peu plus gros. Je vais passer en échelle 1 demi. Bon, c'est un peu gros. Alors, on va laisser en 1 cinquième. 1 cinquième, c'est bien. Voilà. Ça va nous laisser un peu de place pour faire la nomenclature. Voilà. Sinon, on n'aura pas assez de place. Donc, on va remonter encore un peu tout ça. Voilà. Maintenant, on va réaliser la nomenclature. Donc, pour cela, on doit sélectionner une des vues. Et on va aller sur Insertion, Table, Nomenclature. Donc ici, on a la possibilité d'attacher au point d'ancrage. Donc là, on va le cocher. On va laisser le reste de des réglages tels que c'est défini ici. Et on va valider. Donc, voilà, donc là pour l'instant ma nomenclature est accrochée, il y a un point d'ancrage qui doit être mal placé. On va essayer de le placer dans l'angle qui est ici. Donc comment faire? On va placer ce point là dans l'angle ici. Alors le point d'ancrage, on va le définir en bas à droite, voilà, c'est-à-dire ce point là, et on va venir l'accrocher ici. Donc pour le faire, on va faire un clic droit sur la feuille, on va aller éditer le fond de plan. Ensuite, on va prendre le point qui est là, on va faire clic droit et on va faire définir comme ancrage de nomenclature. Voilà. Ensuite, on fait un clic droit et on va revenir ici, clic droit, et on fait éditer la feuille. Voilà, donc ça nous a permis de glisser la nomenclature au bon endroit. On voit que le nom, enfin les références de colonnes sont en partie hautes. Alors que nous, on les veut en partie basse. Repères, nombre, désignation, matière, etc. Donc on va basculer tout ça. Donc on sélectionne la nomenclature et on va aller sur le petit icône ici en tête, en haut de la table. On va basculer vers le bas. Ça c'est fait. Donc au niveau des colonnes, on a le repère. Donc on va indiquer repère. Donc on va double-cliquer sur l'élément qui existe déjà et on va remplacer par rep comme repère. Ensuite nombre ou quantité, donc c'est pareil, on peut double cliquer NB nombre, voilà. Numéro de pièce, on va l'appeler désignation. Ça c'est parfait. Et va rester matière, matière et observation. Donc, ici, on va noter matière. Et on va insérer, clic droit, insérer une colonne à droite. Et on va l'appeler observation. Voilà, donc on a à peu près complété notre nomenclature. On voit que tout ça, il faut que ça soit recalé. Hein. Donc on va déjà déplacer la colonne nombre à côté du repère. Donc je sélectionne en partie haute, je maintiens appuyé et je glisse ma colonne comme ceci. Je vais adapter mes largeurs. Donc ici, je réduis la colonne repère, la colonne nombre. Voilà, je vais les réduire au maximum, donc je vais me caler à peu près au bon endroit, voilà. Et ensuite, on va mettre les matières, donc matière A, acier S235,
on va le faire, on va rompre le bien, acier S235. Donc là, il faudra le répéter sur toutes les colonnes, je ne vais pas le faire maintenant, hein. Vous allez le faire. Et là, on va faire attention donc à l'observation, on va donner les caractéristiques de la matière première qu'on va utiliser. Donc pour le repère, donc les éléments de bride grand, éléments de bride petit, ça va être de la tôle, c'est du fer plat 30 par 4. Alors il faudrait qu'on essaie de remettre les repères tels qu'ils sont indiqués là. Ce serait pas mal. Donc on va ce qu'on peut faire aussi, c'est tout de suite sélectionner la perspective et on peut ajouter les repères automatiques. Donc là j'ai cliqué sur repère automatique. Voilà, et là je vais valider. On va les bouger ensuite. Donc on va avoir un ordre à suivre. Si on veut se les mettre dans le même ordre qu'ici, il va falloir qu'on change dans le fichier d'assemblage l'ordre des pièces. Donc là on va commencer par mettre le prisme grand, prisme petit. Donc comment je vais faire? Je vais faire un clic droit sur la vue qui est là. Je vais réouvrir mon assemblage. Alors, et on va mettre les éléments dans l'ordre. Bride grand, bride petit, ça c'est bien. Alors on a à nouveau bride grand, bride petit. Ça c'est pas très grave. Et on va avoir besoin du cylindre. Donc le cylindre, on va le mettre en troisième. Le cylindre, il est là, on va le remonter. Ici. On va le remonter encore un tout petit peu. D'une case, voilà. Et là, on a le demi-prisme petit puis grand. Petit puis grand. Donc là, on est bien. Je pense que ça devrait être pas mal. On va enregistrer. On va reconstruire. Et on va aller sur fenêtre, boîte de raccordement. Grand petit, petit grand. Grand petit, cylindre, petit grand. Alors, on va essayer de mettre à jour notre nomenclature. Alors, pour avoir l'ordre ici, il faut sélectionner la nomenclature. Et là, il faut cliquer sur « Suivre l'ordre de l'assemblage ». Voilà. Donc là, ça a remis mes éléments dans l'ordre conforme à ce que j'ai ici. Ok. Alors, les repères, on va les changer. On va l'appeler 1A. Un B. Ensuite 2, 3, 3B. Donc là je change celui-ci. 2. Voilà. Bien, et ben voilà, on a terminé. Ça a mis à jour nos repères. Donc la bride grande, on va zoomer. On va bien prendre le petit point qui est au bout pour le déplacer. Et on va essayer de l'accrocher plutôt sur une surface. Voilà. Ensuite, le 3B, on va essayer de se mettre comme sur voilà, le 3B là, 3A là. Alors là, il y a un petit souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Élément de bride. Ah, c'est les demi-prismes, je me suis trompé. Alors, je vais faire une petite pause, je vais remettre tout dans l'ordre. Donc en fin de compte, c'est bien les demi-prismes en premier. Donc, on recommence. Hein. On va aller sur la pièce. Donc on clique droit, on ouvre. Donc c'est bien deux demi-prismes, donc ça c'est de ma faute. Grand petit. Donc on le met en premier, le prisme grand. Prisme petit en deuxième. Ensuite le cylindre. Ensuite
grand petit, grand petit. Et là, c'est plutôt petit grand. Donc on va mettre les deux petits. Le petit en premier. Voilà, petit, grand. Et puis là aussi on peut le déplacer, mais ça va pas avoir beaucoup d'influence. Voilà, donc là on va enregistrer. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la nomenclature. Donc là, ça n'a rien changé. On va double-cliquer sur la nomenclature. Voilà, donc du coup, ça a inversé un peu mes repères. On va recommencer. Du coup, le grand, c'est 1A. Donc là, je recommence ce que j'ai fait. Voilà, ça peut arriver, hein, les petites erreurs. 1B. Et 3B. Voilà, donc là on est bien. Il nous reste à compléter la matière, donc tôle, épaisseur 1,5 pour les trois premières pièces. Donc là, il suffit de double-cliquer et on va tôle, épaisseur 1,5 mm. Donc il faudrait répéter ça trois fois et puis là on va mettre fer plat de 30 par 4. Voilà, donc là je viens de finir de compléter la nomenclature, hein. Donc tout ça c'est parfait. On a les repères qui sont mis en place. On va essayer de placer tout ça correctement. Le 3B est là. Le 3A, on va essayer de placer à un endroit un peu plus lisible. On va regarder le modèle. Le 1A, on les a mis en haut. Donc le 1A, on va le mettre au même endroit. Donc je le monte ici. Je le déplace plutôt sur une surface. Même chose pour le 1B. Je prends le point, je le mets sur la surface. Et le 2, je vais le mettre également sur la surface. Voilà. Donc là, on est bien. Il va nous rester à mettre quelques cotes. Donc les cotes entre parenthèses, ce sont des cotes pour vérification. Donc on va les mettre, hein, 211. C'est parti. Donc on va utiliser la fonction cotation. On sélectionne les deux éléments ici, on met la cote et on va mettre une cote entre parenthèses ici. Ensuite, une cote de 259. Voilà, alors ici c'est un peu particulier parce que là on est sur l'axe. On va donc choisir de prendre dans l'onglet ligne d'attache, on va prendre le max. Alors, il m'a mis où? Ah, il m'a mis ici. Ok. Alors, pour pouvoir placer cette cote, on va simplement placer un point. Donc, j'ai pris un point et on va le placer sur le point qui est sur l'élément qui est ici. Voilà. Et on va venir mettre la cote en s'appuyant sur ce point. Donc je prends mon point et je prends ma ligne. Ça permet d'avoir une cote de. On va laisser cette cote pilotée. Voilà. Et on va la mettre entre parenthèses. Donc là, on a 258,6. Et sur le plan, on a 259. Donc ce qu'on va faire ici, c'est au niveau de la tolérance, on va augmenter. Donc on va choisir la tolérance, on va mettre aucune et on va donc arrondir à 259. Voilà. Ensuite, on a une cote de position de 74 plus ou moins 2. Donc on va regarder comment elle est mise. Ok.
Donc là, même chose, on va devoir probablement... Non, ça devrait le faire. On va prendre le point. Je prends le point qui est là. Celui-ci. 73,44. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes valeurs. On va mettre une tolérance de plus ou moins 2. Donc là, il y a un petit souci, je ne sais pas ce que c'est. On va donc choisir la tolérance. On va mettre aucune. Et on va lui ajouter une bilatérale. Et 0,2. 0,2. Alors, j'aurais pu choisir. Symétrique. Voilà, symétrique c'est mieux, on va avoir les éléments qui sont regroupés. Voilà, donc là ça c'est parfait. On va ajouter maintenant la coupe locale. Ah oui, ça j'ai pas fait la coupe locale. Donc si je fais la coupe locale, donc une coupe locale, on va choisir cette icône-là. On va positionner, on va faire une spline. En cliquant successivement comme ceci. Voilà. Et on va regarder à quel endroit on coupe. On va se mettre à peu près au milieu de la pièce. Donc, l'arête, on va prendre cette arête-là. On va prendre sur la vue adjacente. Et on va se mettre sur cette arête-là pour découper la pièce. On va faire un aperçu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? En fin de compte, j'ai choisi la zone où on avait le plan de coupe. Et là, on retrouve bien notre décalage de 2 mm. On va valider. Et on va donc pouvoir l'indiquer ce jeu. J égale 2. Donc, je le cote. Fonction cotation. Je prends mon arête, ma surface inférieure. Et là, je vais mettre devant dîme. Je vais mettre d'abord une parenthèse. Et je vais mettre J égale 2. Voilà. Alors si je veux une majuscule, je pense aller à taper donc sur Shift. Voilà, donc là je viens de faire ma coupe locale et mon jeu de montage. Il va me rester une cote totale de 182 plus ou moins 2. Ça, je vous laisse la faire. On va mettre maintenant les tolérances géométriques. On va mettre une tolérance de référence, géométrique de référence A, ici, partie inférieure de la bride. Donc, c'est parti. Je vais choisir la face qui est là, et je vais prendre la fonction référence. Voilà. Et je vais venir placer ma référence A. Ensuite, je vais mettre une tolérance géométrique. De parallélisme ici. Donc là, il faut que le cylindre soit parallèle au plan de la bride à 1 mm près. Donc ça, c'est un parallélisme. Donc, je choisis la fonction. Je fais échappement là pour quitter ma fonction précédente. Je choisis donc tolérance géométrique. Je prends le symbole de parallélisme. Je vais sélectionner mon arête. La tolérance c'est 1 et la référence ça va être pardon. Hop, je recommence ma face, enfin mon arête, ma tolérance géométrique de parallélisme, tolérance 1 par rapport à A. Je valide. Donc évidemment, il va falloir que je déplace un petit peu ma vue, que je mette ma tolérance correctement. Voilà. Je vais mettre pour terminer, là c'est pareil, hein, pour la
la référence B, le parallélisme B, pour aligner donc le cylindre par rapport à la surface latérale. Je vous laisse le faire. Et là, on va mettre une tolérance, enfin une cote de soudure. Donc du 135, soudure d'angle 8 par 30, en périphérique. Donc c'est parti. Je sélectionne l'arête où je veux placer ma cote de soudure. Je choisis la cote de soudure. Donc on va commencer par indiquer que c'est du périphérique. On a dit que c'était en procédé du 135. Et on a une soudure d'angle. Symbole alors où est-ce qu'elle est congé voilà et on va avoir du 8 par 30 ok 8 par 30 voilà on va la décaler. Voilà, donc là on a pratiquement terminé notre dessin, il ne nous reste que quelques côtes. Bon, pour la soudure d'angle, c'est la même chose ici. C'est toujours du périphérique pour souder donc le cylindre sur la partie prisme. Voilà, donc là on a terminé la mise en plan et elle est conforme au PDF que l'on a sous les yeux. Voilà, on a exactement la même chose. Voilà, donc c'est terminé pour cette mise en plan. On pense à la sauvegarder, disquette, et comme on l'avait déjà nommé, boîte de raccordement, donc tout est sauvegardé parfaitement. Voilà, c'est terminé.